Salut à tous, c'est Neosia, on se retrouve pour la vidéo sur GTA 5. Donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch pour vous, donc c'est un glitch pour vendre des super sportives illimitées. Donc bien sûr après le patch 1.10. Alors pour commencer, ça marche vraiment bien, vous pouvez le faire à l'infini et pas besoin d'attendre les 45 minutes du Lost Custom. Donc c'est vraiment cool, hein. Donc je vais vous dire comment y faire maintenant. Alors c'est très simple, pour commencer il faut acheter un BMX, donc vous allez l'acheter dans le magasin. Donc à chaque manipulation, pour refaire la 7 manip, il faudra acheter un nouveau BMX, donc ça coûte pas cher, 800$. Voilà, donc dès que le BMX est acheté, vous sortez avec votre voiture, donc pour moi ça sera la ladder. Donc vous sortez et vous allez pouvoir qu'à chaque sortie, ça va faire des grosses traces noires à la sortie, hein, à votre sortie. Et votre coéquipier devra poser deux mines, suffira sur une des deux traces. Une trace, une mine en gros, hein, une trace, une mine sur chaque trace. Ensuite, votre coéquipier devra rester dans votre voiture. Donc dites-lui qu'il fasse gaffe avec votre voiture, hein, qu'il sort surtout pas. Donc dès que vous êtes dans votre garage, vous sortez, vous allez chercher votre BMX. Voilà, donc pour mon BMX, donc là je m'étais trompé, il faut bien prendre le BMX. Donc vous sortez avec et vous allez dire à votre coéquipier que dès que vous êtes sorti du garage, dès que vous avez atteint les dynamites, là les mines par terre, ils vous fassent exploser directement. Donc faites comme moi, c'est vraiment pas compliqué. Donc je suis désolé si je parle fort, si je parle pas très fort, c'est parce qu'il est assez tard. Donc là je me suis fait écraser, c'est pas grave, je suis toujours debout. Donc là votre coéquipier il sort, il vous rend votre voiture. Donc celle-ci vous pouvez la vendre directement. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment simple. Donc là j'ai un peu galéré sur la route, c'est pas grave, on va parler un petit peu ensemble en attendant. Donc en attendant que je fasse la route, je vous invite à aller liker ma page Facebook qui est dans la description, ça permet de nous parler entre nous, tout ça c'est vraiment cool. Je mets beaucoup de messages le soir, tout ça. Donc voilà, ça c'est toujours sympa, hein. Après si vous voulez jouer avec moi, il n'y a aucun problème, j'accepte tout le monde. Donc mon gamer tag, je le dis aussi sur ma page Facebook. Alors voilà, je suis au Lost Custom, donc là, cette voiture-là, vous pouvez la vendre directement. Voilà, vous la vendez, hop, ça fait une petite somme en poche, assez rapidement et assez facilement. C'est sûr qu'il faut être toujours deux pour faire ce glitch, hein, mais bon, après, ça reste facile et rapide. Donc là, maintenant, vous rappelez votre mécado directement et vous rappelez votre adder. Donc ça s'est passé, voilà, la adder. Vous pouvez voir que en fait ça l'a dupliqué tout seul et j'ai pu la vendre, donc c'est parfait. Et voilà, donc ma adder est revenue, donc elle est dupliquée. Donc pour refaire cette manipulation sans attendre les 45 minutes du Lost Custom, c'est très simple, vous avez juste à refaire exactement comme on a fait juste avant. Vous devez racheter un BMX, vous devez ressortir pour avoir les traces noires avec votre voiture, tout ça vous faites pareil et ça va marcher. Donc moi j'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.